Bien. C'est ce qu'on veut. Faut pas filmer en apparoir. C'est ainsi qu'on s'allait. Pour vous être présenté en personne sur ce champ de bataille, écoutez, je vous remercie. Ceci est notre armée. Si tu veux t'y joindre, rends d'abord hommage. Je jure foi et hommage à l'Écosse. Mais si ceci est votre armée, pourquoi tourne-t-elle les talons? On n'est pas venu ici se battre pour les nobles. On n'est pas nobles. Les Anglais sont trop nombreux. Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein. Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Un homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? Il faut se battre! Non, on n'aurait aucune chance! Contre ces troupes? Non! On préfère tuer! On préfère vivre! Oui! Battez-vous et mourrez peut-être! Fuyez et vous vivrez! Quelque temps du moins! Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Stirling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous obtenir.